Salut tout le monde, c'est Cam Scooter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, comme vous avez vu sur le titre, on va découvrir ma nouvelle trottinette. Donc j'ai mon sponsor Apex qui m'a envoyé un énorme colis. On va se l'ouvrir, on va découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être des decks, peut-être des barres, vous allez voir. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je réponds à tous les commentaires, vous savez. Et bien sûr, par la même occasion, n'hésitez pas à aller checker les Insta de Apex, marqué juste là. Voilà, c'est parti, on va découvrir ce colis. Et voilà, donc le colis, il est là. Je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment énorme. Genre, j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, on va s'ouvrir tout ça, un petit accéléré des familles. C'est parti. Ok, donc je viens de déballer, c'est bon. Donc comme vous pouvez voir, on a deux petits cartons là. Mais vous inquiétez pas, il y a d'autres choses à l'intérieur. Il n'y a pas que le deck, il n'y a pas que les decks, parce qu'il fallait en avoir deux. On va commencer, on va ouvrir. J'ai hâte de voir. En fait, si vous voulez, j'ai dit à Apex, vous m'envoyez des pièces, mais je veux pas savoir les couleurs. Genre vous m'envoyez, vous faites une surprise. Je vais découvrir les couleurs avec vous. Et bien sûr, on va se monter la trotte. Et après, il y aura des clips avec la trotte. On va le skatepark tout ça. Donc j'ai vraiment hâte de voir la trotte à quoi elle ressemblait. C'est parti, on va commencer avec les premières pièces. Ok, donc déjà premièrement, on a 5 petits grips Apex. Donc voilà, ils font plaisir. Ok, ensuite on a quelques petits stickers. Je vous le dis honnêtement, les stickers Apex depuis que je suis petit, c'est mes stickers préférés. C'est des stickers, genre t'es obligé d'acheter des pièces Apex pour en avoir. Dès que j'en avais un, genre limite je l'encadrais dans ma chambre, genre c'est un truc de fou. À chaque fois recevoir des stickers Apex, alors, ça fait trop plaisir. Et n'hésitez pas à me demander si vous me voyez dans le skatepark. Ensuite, quelques paires de JDD. Donc voilà, on a 6 JDD avec un petit breakless. C'est un frein en fait qui reste stoïque et qui bouge pas. Et voilà, ça ressemble à ça. Ensuite, petit collier serrage rouge avec un système de compression. Donc voilà, ça ressemble à ça. Petit collier rouge HIC, bam, ça fait plaisir. Ensuite, un SIS Chrome Apex. C'est pas pareil que le collier que je viens de vous montrer. Donc là, c'est un collier qui a 4 vis et c'est un autre système de compression. Donc ça ressemble à ça. Ensuite, on a un deuxième SIS, mais celui-là, il est en noir. Donc voilà, il est juste ici. Là maintenant, les gars, on passe sur les pièces plus importantes. Donc là, on commence par la fourche Apex en turquoise. Voilà, bam, elle est juste là. Genre vraiment, elle est incroyable. Genre vraiment, j'ai trop hâte de la rider. Ensuite, ils m'ont envoyé une deuxième fourche Apex Light, cette fois en rouge. Dites-moi celle que vous préférez en commentaire. Moi franchement, je dirais peut-être la turquoise. La turquoise, j'adore. Les gars, il reste 2 pièces à ouvrir dans l'unboxing. Vous savez très bien qu'est-ce que ça va être. J'ai hâte de découvrir la couleur. C'est parti. On va découvrir la couleur du deck et les dimensions. Donc c'est parti, je vais ouvrir ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là, c'est incroyable. Genre vraiment, c'est incroyable. Donc les gars, là c'est un Apex 5 Wide. Et comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais là, ils ont mis le design de mon deck signature, qui est disponible d'ailleurs sur tous les shops du monde, chez CDK en particulier. Il est disponible, vous avez le lien dans la description bien sûr. Vous pourrez le regarder des heures, genre vraiment il est incroyable. Vous aurez des plans à la caméra, bam. Et donc ils m'ont envoyé aussi un deuxième deck. C'est vraiment un truc de ouf. Et les gars, le deck, pareil, un 5 wide. Mais cette fois, ils l'ont fait en double couleur, donc en rose et orange. Et pareil, ils ont mis le design du deck signature sur le 5 wide. C'est incroyable, genre vraiment, waouh. Genre vraiment, j'ai pas les mots. Et les gars, je viens de voir, ils ont même rajouté un sticker de ma signature. Genre dites-vous ce truc là, à chaque fois qu'on me demande un autographe, je fais ce signe. Et dites-vous là, je l'ai écrit sur un papier. Et maintenant, genre c'est devenu un sticker, il est gravé sur le deck. Genre c'est quand même un truc de ouf. Donc là, vous allez avoir des plans du deck, c'est parti. Donc voilà, dites-moi lequel vous préférez des deux decks, soit le rosé orange, soit le turquoise. Moi franchement je vous le dis, je pourrais pas choisir. Voilà, je peux pas choisir, c'est impossible. Ok, donc maintenant les gars, je vais monter la trotte. Donc je vais choisir un des deux decks, vous allez voir lequel je vais prendre. Et voilà, je vais monter cette trotte et ensuite on va aller au skatepark se la tester. J'ai trop hâte vraiment de la tester. Genre là, vraiment je suis trop hype. Ok, donc ça y est, je viens de choisir les pièces pour monter la trotte, je vous montre ça tout de suite. Donc comme vous pouvez voir, j'ai décidé de prendre le deck rose et orange avec une paire de roues CDK, une fourche noire Apex, un collier noir Apex, deux JD Apex, un grip Apex et une petite barre Apex que j'avais déjà mis les poignets. Donc voilà, c'est parti, on va se monter ça et puis ensuite on va se retrouver quand la trotte sera prête, ça va être une dinguerie. Et vous la noterez en commentaire. Ok, c'est bon, donc là j'ai enfin fini de monter la trotte, donc on va la regarder et on va faire un petit drop test. Ok, petit drop test, c'est parti. Je pense qu'il est parfait, hein. Ok, donc les potes, je vous explique. Là, la trotte, elle est montée. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au skatepark. On va se tester la trotte. Donc voilà, on se retrouve au skatepark. C'est parti.
Ok, donc là ce que je vais faire c'est je vais prendre la voiture, on va aller au skatepark tranquillou. Et ouais les gars, j'ai eu le permis, une dinguerie. Genre vraiment pff, ça fait plaisir hein. Genre comme vous avez vu, j'ai galéré à l'avoir, mais c'est bon, je l'ai maintenant. Donc maintenant on va au skatepark, on se retrouve là-bas, c'est parti. Ok c'est bon, on vient d'arriver au parc là, c'est carré. Donc voilà, c'est un petit parc hein, c'est le skatepark de Ginestas. La trotte elle est juste ici. Et voilà, donc ceux qui sont pas au courant en fait, je suis encore blessé. Donc je vous ferai une vidéo, genre la semaine prochaine il va y avoir une vidéo, je vais vous expliquer comment je me suis blessé, c'est quoi ma blessure, je vais tout vous expliquer. Comme ça vous pourrez capter alors pourquoi je pourrais pas rouler à fond aujourd'hui. Genre vous allez voir, je vais rouler très chill. Mais bon le but c'est on va essayer de s'amuser, de se faire kiffer. C'est pour ça que je suis allé dans un petit parc. Voilà, on va mettre la GoPro et on se retrouve sur les clips. C'est parti. Ok bam bam bam, c'est parti. On va commencer chill, genre je sais pas ce que je vais faire encore. On va se faire des petites lines dans le parc. Donc là vous pouvez voir en fait j'ai des genoulières parce qu'en fait je suis obligé en fait de rouler avec des genoulières. Et en fait je me retape le genou, je peux me refaire opérer du coup à éviter hein. J'ai déjà subi une opération hein, c'est bon. Je vous expliquerai de toute façon dans la prochaine vidéo, à la semaine prochaine. Vous verrez c'était une dinguerie. Une dinguerie. Bon, je vais essayer un petit flair, on va voir ce que ça donne. Normalement, ça me fait pas trop mal le genou quand je le fais. Donc on va s'en faire un petit, et voilà. Oh là là. Allez, Whip Butter. Ok pour l'instant là je vous ai fait quelques petits clips là sur le parc là sur la courbe. Elle est vraiment sympa. La trotte elle est incroyable, genre je vous le dis là, elle est juste là. Elle est incroyable, genre juste. Rien qu'à la vue tu vois avec le rose et le orange, genre magnifique. Genre quand je la ride c'est magnifique. Donc voilà, comme je vous ai dit, pour moi faire du parc c'est encore un peu chaud pour mon genou. Du coup ce que je vais essayer c'est de faire des nouveaux tricks en street. Genre des petits trucs genre sans prendre de risque hein. Faut pas que je tombe dans tous les cas. Genre je vais essayer de faire des 50, des front 50. Je vais essayer de m'amuser sur le genre de trucs comme ça. Donc voilà c'est parti, on va essayer de faire un peu de street. Allez, premier coup de wax sur le deck. On va le shredder un petit peu. Let's go. Ok, je vais vous faire mon trick préféré, je vous explique en gros. Genre si je fais un back de la courbe à ici, genre en gros, je sais pas pourquoi mais genre j'adore ce trick. Si t'arrives, genre, tu te mets là et tu fais un back et après j'essaye de le faire de plus en plus petit. Pas sûr que j'arrive à le faire très petit avec mon genou mais on va essayer, on va voir jusqu'à où je vais. Ok lui on va essayer de le faire le plus petit possible. Oh c'est petit là. Eh la vérité je me tâte à rajouter un bar. Genre là. Je pense que c'est possible mais j'ai juste peur de me faire mal au genou. Mais vas-y je vais essayer de me tâte à rajouter un bar. Je vois. Ouais. Ah, ah putain. Wesh. Ma trotte elle a fini dans les buissons. Attends mais comment je vais la chercher là. Attends c'est quoi ce bordel. Ah putain. Ah mon genou ça. Wesh. T'es ma où elle a fini la trotte. Vas-y frère. Oh les poignées dans les. Ah ça fait trop mal. Ah. Putain mais elle est coincée partout. Bordel. Maintenant faut que je remonte. Ah quel con. Ah mais ça fait trop mal. J'en ai même attaché là. Oh mais je peux pas remonter. Putain. Vas-y. Ah putain deux fois. Ça fait deux fois elle finit là. Putain. Oh. Ça fait trois fois que je fais ça. Oh. Casse les c***** putain. Oh
Oh, j'ai pris dans la gueule. Ah, oh, mais je suis mordu à la langue, sa mère. Ah, oh, mais je suis mordu à la langue. Ah, ça fait trop mal. Mais t'es trop chaud. C'est mère. Ça fait combien de temps que t'en fais? 10 ans. Ouais. 10 ans, 12 ans. Il a commencé à faire, j'étais même pas né. Ouais, non, ça fait longtemps. J'arrive pas à le plaquer, hein. Putain, mais impossible. Ah. Oh, let's go. Ah, je me suis en***, mais je l'ai mis. Ah, ma cheville. Oh là 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 là. Ah, je me suis fait trop mal, mais je l'ai mis. Bon, les gars, c'est bon, j'ai fini ma petite session. En vrai, je suis refait. Franchement, c'est cool. J'ai mis pas mal de new tricks. Genre le back bar là sur le côté, je suis refait. Bon, j'ai eu hyper mal à la réception, à la cheville, au genou. Mais c'est pas grave, je l'ai plaqué. Et j'ai mis pas mal de tricks que je suis refait là sur le curb. Franchement, je suis refait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je peux vous dire la trotte, je la kiffe de ouf. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker les réseaux sociaux de Apex, bien sûr, qui sont marqués juste là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait super plaisir. On vise les 50 000 avant la fin de l'année. Peut-être, on verra. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, le petit commentaire, vous connaissez. C'est Camille Scooters. Ciao.